Bonjour. Alors du coup, ça c'est le jardin qu'on m'a mis à disposition. Je ne suis pas chez moi, mais j'ai au moins le droit de jardiner pour le moment. J'ai de la place pour 62 parcelles en lévaguerre. Mais on va sous la neige, parcelle numéro 13. Puis du coup, il y a les euphorbes qui poussent un peu partout pour éloigner les mulots et les taupes. Mais les choux et les salades, il n'y en a rien parce que les biches, elles ont tout mangé. Du coup, je veux voir si je trouve un céleri sous la neige. Où sont-elles? Là.
Quel coco! Puis une dernière. Dès qu'on s'occupe d'une plante de culture où il y a des grands intérêts de vendre les semences, ben, il ne faut pas qu'on parle. Et ça, c'est le cas chez le maïs. Il ne faut pas que les gens savent trop quelle diversité qu'il y a et à quel point qu'ils sont. Qui sont menacés. Je vais vite faire dans la serre et puis je suis à bout. Dans une barquette, il y a une variété de maïs, entre 10 et 20 plantes, et du coup, je les ai fait pour les repiquer dans des pots plus grands. En attendant de les planter dehors après. L'étiquette, tac, et puis arroser parce qu'il fait chaud. Un peu de réglisse avec. Je l'avais fait contrôler si on peut le boire.
l'autre, et puis... Et puis, oui. Mais il fallait descendre plusieurs fois pour le nettoyer. Mais ça valait le coup, et puis protéger avec un grillage des feuilles qui tombent pas dedans, ça. C'est tout tordu, et puis la hauteur n'est pas pareille, et puis il faut le laver aussi. Je suis proche déjà, si je fais un peu plus de poids, elle mangerait. Et puis... Elle est vieille, celle-là. Bon. Et puis ici, comment c'est? Ça crame. Je vais pas m'en passer, mais ça marche bien. Il y a un soupon, un peu plus court, hein? Quoi? Je Oui, ça suffit le film. Non, c'est pas ce que là, c'est. Sorry. Ja, ça va. Alors maintenant, on va râper le fromage. Le chat, il va ailleurs. Bien. Bon. Attends, feu, oui, il faut attendre jusqu'à ce que ça boue. Ça mijote déjà? Mijote?
anfangen zu sieden, so sieden, vielleicht sieden. Na, ist gut. Dreht das mindestens 10 Minuten. Ich mache gerade eine Reise und ich bin durch Deutschland gereist und jetzt durch Frankreich. Und dann habe ich von Martins Hof erfahren und wollte das gerne kennenlernen. Ja, eigentlich bin ich durch Zufall hier gelandet. Und jetzt merke ich, dass ich viel lernen kann und einen Menschen kennenlernen kann. Und eine andere Lebensweise und daraus viel mitnehmen kann. Ja, es ist einfach ein sehr schöner Ort, an dem man gut zur Ruhe kommen kann und an dem man sich zu Hause fühlen darf und eingeladen ist. Und das ist was ganz Besonderes und gleichzeitig lernt man noch viel und deswegen ist das für mich gerade ein sehr wertvoller Ort. Ja. Okay. Je me suis engagé dans un dans une association dirigeante en Allemagne pour la diversité des plantes de culture. Et puis, je suis parti tous les ans une fois pour la réunion. Et deux, trois fois, j'ai fait une conférence. Et puis, la dernière conférence, c'était sur, justement sur le sujet que je fais là. Et puis, j'ai raconté d'un étudiant à Berne qui a fait un travail sur 2 ans. Il a comparé des maïs qui viennent d'ici, des variétés, et puis avec des hybrides. Et puis il y avait un hybride, puis 3 variétés, puis il y avait une population à côté qui est issue d'une hybride. Alors, le hybride était moyen, la population elle était encore un peu derrière les hybrides, mais une variété, c'est le vent qui l'a couché, mais l'hybride il est resté debout. Mais les autres variétés, une d'elles elle a fait autant de rendement comme le hybride, et puis l'autre elle a fait jusqu'à 170% du rendement de l'hybride. Et puis je leur ai raconté ça, et puis je me suis plaint parce que l'examinateur, je sais pas, il est venu d'ailleurs, c'est lui qui a fourni les graines d'hybride, et puis il n'était pas content des résultats, du coup le travail a fait disparaître. Et puis lui, il a quitté l'université. Alors, c'est dommage parce qu'il était il aurait pu devenir un vrai chercheur sur le maïs, mais il y a plus de, comment dire, il y a plus un concours fair play. En fait, c'est les semenciers, ils ont dicté les hybrides, ce sont les variétés à haut rendement. Les variétés de pays, c'est les semences de base, mais ils ont un petit rendement. Et ça, c'est un dogme, et ils ne sont pas du tout prêts à l'abandonner. Et en fait, ça, c'est une des raisons pourquoi je continue. Mais c'est difficile, là. À partir de cette conférence-là, je n'ai plus de stagiaires. Voilà, c'est comme ça.
Je leur ai raconté aussi du problème des OGM. Et puis, je leur ai raconté, ils ont écouté. Un, il a dit, oh ben, c'est pas si difficile que ça. Mais enfin, ils n'étaient pas intéressés, il ne fallait pas qu'on parle non plus. Les professeurs, là, ils ont même quelques projets pour la diversité de certaines plantes et cultures, mais pas des grandes cultures. C'est des légumes, d'accord, des arbres fruitiers, d'accord, mais pas les grandes cultures. Puis c'est lui-là qui avait l'idée, qui avait organisé les premières réunions que maintenant font partie environ 25 associations, des grandes associations, comme Prospect Sierra en Suisse ou Arkenoa de l'Autriche, et puis plusieurs d'Allemagne. Et puis celui-là qui a eu l'idée de se faire un réseau, ben, il a perdu aussi lui son travail à la banque de Gênes et puis ses deux occupations à l'université, il a perdu aussi. Alors c'est une... Il n'y a rien qu'une mafia quoi, qui est au pouvoir et c'est grave quoi. Alors du coup j'espère qu'on va plutôt se rendre compte et qu'il y en a plusieurs qui vont s'occuper de la diversité, qui vont s'occuper aussi à maintenir les variétés sans OGM. Fais une pause. Pour des plantes comme le maïs qui est gourmand. Alors j'ai pas le choix, je vais chercher dans l'autre jardin de la terre et puis je mélange et puis là je peux planter dedans. Je crois que pour une année ça sera suffisant. Mais c'est pas sûr si je peux le garder, le jardin. J'espère toujours, mais le terrain il va être vendu aussi, lui. Mais pas moi. Ben oui, les gens qui ils sont venus, ils m'ont offert. Et puis j'ai accepté. Et puis ils m'ont dit, ben on va vous contacter. Et puis ils m'ont jamais contacté. Et du coup, là j'ai entendu par ailleurs qu'ils vont vendre, mais à quelqu'un, je sais pas. Ben oui, je suis étranger, il faut pas oublier. Ben voilà. J'avais apporté toute cette terre-là qui était là, là où c'est un peu plus élevé. Et pendant quelques ans, il y avait un joli jardin, mais les arbres, elles ont poussé.
du coup, ça marche plus ici. Mais la terre, elle est toujours bonne. Ben voilà. Et c'est parti. Abends hier hingehen. Ja, gestern Abend weiter. Oder man müsste, man könnte jeden. Siehst du, wo er ist. Muss ich jetzt leider killen. Non, non, c'est pas un métier à devenir riche. Sauf si celui-là de maïs qu'on a planté ce matin, si celui-là, il reste une année, je réussirai. Et puis à trouver des gens qui le reproduisent en grande quantité, là, ça pourrait devenir rentable. Parce qu'ils s'affolent de ce maïs. Ils m'ont demandé des tonnes de semences et puis aussi des graines pour consommation. Pour nos clients en Hongrie. C'est le maïs morada et on peut faire le chicha avec la bière de maïs. Et j'ai connu d'autres personnes qui ont essayé, ils ont eu les mêmes résultats. Il y a toujours des plantes qui restent stériles et peu de plantes qui font des jolis épis. Alors difficile de faire une grande culture avec, ça ne donne pas grand chose. Et il est aussi plutôt tardif, du coup ça serait bien si la variété s'adapte un peu. Et puis on n'a pas trop une variété de nos régions ou d'une région qui s'adapte facilement ici, qui est ressemblant à ce maïs et qu'on pourrait les croiser sans trop modifier l'aspect de cette variété. Alors il reste l'adaptation. Semer, récolter, ressemer, récolter, ressemer. Un ami à Berne, il essaye de faire des croisements. Mais il n'est pas encore loin non plus. Oui, ce c'est un travail à longue haleine.
Mais le temps, il passe de toute façon. En fait, toutes plantes qui sont proches aux mains, ici, sont des graines avec une coque dure comme une noix. Sauf le maïs, il a perdu ça. Par contre, il fait les épis. Mais les plantes se ressemblent beaucoup au maïs. Et ils peuvent se croiser aussi. Du coup, toutes ces graines, elles sont parfaitement pour faire des bracelets ou des colliers ou des instruments de musique. Et celui-là, il y a une variété qui est cultivée au Japon, et eux, ils les mangent et on peut en acheter. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que porter ces perles, ça porte malheur parce qu'elles s'appellent aussi l'arme de Job. Mais je m'en fous. Elle se trouve jolie. Alors le petit bracelet est bientôt fait. Du coup je vais te l'attacher. C'est trop serré, non? À peine serré. Tu as fini? Mm-hmm. Bon, alors du coup, on va dans la morante après. Oui. J'ai encore un sac que j'ai pas tamisé. Disons que j'ai pas passé sous le vent.
Ich muss ständig bremsen. Macht keinen Spaß, ne? Ja. Ja. Ben, bienvenue. Tu montes déjà? Mmh. Et je te donne le sac. Merci. Voilà. Ben c'est parfait. Mieux. Ça commence.
avec la chaux pour colmater les petites fissures qui restent. C'est un dessin du dieu des Aztèques de la pluie qui se nomme Tlaloc. Il tient une plante de maïs dans la main et dans l'autre main il porte un récipient avec de l'eau dedans et on voit bien qu'il marche sous la pluie. Ben, je suis content si jamais on a envie de l'installer avec un petit lit de foin avec un poêle qui chauffe et puis un petit lavabo. Que quand il y a beaucoup de gens à la maison, qu'on pourrait installer une personne qui aimerait bien un peu être chez soi, ben, là-dedans. Autrefois, c'était pensé comme cabane pour se connecter à l'Internet parce que c'est proche des voisins. Et puis, ils m'avaient autorisé de me servir de son Wi-Fi. Et là, ça sera tout simplement une cabane de jardin. Ben voilà.
So. En fait, je gaspille l'eau elle, un petit peu, mais elle n'est pas perdue, elle va pour le rosier devant la maison. Ben, comme d'habitude, je pense. Il y a un petit simple cadeau. Cadeau est plus fine. La plus belle assiette de la ferme. Ich bin Almut und komme aus Dresden in Deutschland. Von dem Hof und von Martins Projekt habe ich über eine Freundin von ihm erfahren, die eine Bekannte von mir ist. Und sie hat damals eine Rundmail geschickt, in der sie von dem Projekt geschrieben hat und erklärt hat, dass Martin diesen Hof hat und sich immer über Hilfe und Gesellschaft hier freut. Und ich habe sowieso nach einem Projekt für meinen Sommer gesucht, weil ich Anfang des Jahres meinen Bachelor in Landschaftsarchitektur gemacht habe und
gerne verschiedene Eindrücke sammeln wollte. Ich habe zuerst an einem Urban Gardening-Projekt gearbeitet und habe mich dann mehr mit ökologischer Landwirtschaft und nachhaltigem Leben beschäftigt. Und ja, dann kam diese Mail und ich dachte, dass das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit wäre, um meinen Sommer zu beenden, bevor ich dann im Oktober mit meinem Studium weitermache. Ja. Ich bin Meta und ich habe von diesem Projekt oder diesem Hof auch über eine Mail erfahren, schon im Frühling, als Martin um Hilfe gebeten hat, hier das Jahr vorzubereiten, alles zu pflanzen. Im Frühling konnte ich aber noch nicht, weil ich nach Beendigung meiner Schule noch ein Jahr gearbeitet habe, um Geld für Reisen zu sparen, und wollte aber gerne hier vorbeischauen. Und Martin hat mir einen Praktikumsplatz für Herbst freigehalten. Und so bin ich nach meiner ersten Reise nach Polen dann hierher gekommen, um hier mitzulernen und mitzuhelfen, vor allen Dingen die Ernte, um hier möglichst naturnah auch mitzuleben. Und natürlich, weil schon aus den Mails ersichtlich war, dass Martin eine sehr interessante und freundliche Person ist, die es sich zu besuchen lohnt. Genau. Der Tag hier beginnt eigentlich immer mehr oder weniger spät. Erstmal mit einem guten Frühstück. Und danach ist die erste Arbeit meist, die Pfirsiche zu lesen, die gerade einfach in Massen reif werden und verarbeitet werden müssen. Und danach geht's dann entweder ans Gießen oder ans Wasser holen, aus dem Brunnen natürlich. Ansonsten haben Ausflüge gemacht mit dem Rad. Das gehört natürlich auch immer mal dazu, so ein bisschen die Umgebung und das Land kennenzulernen. Dann haben wir Mais gesammelt, wir haben Maispflanzen bestäubt, Tomaten geerntet. Also ja, so Sachen, die in einem Garten oder in der Landwirtschaft einfach getan werden müssen, die anfallen, wenn Pflanzen wachsen und reif werden. Ja. Und ansonsten braucht einfach alles, was man für sich selbst tut, also Essen kochen oder Kleidung waschen, ein bisschen mehr Zeit, als wenn man zu Hause ist, weil die Arbeitsabläufe andere sind. Man dreht nicht einfach den Wasserhahn auf und hat warmes Wasser, sondern holt das Wasser aus dem Brunnen, macht Feuer, kann dann nachher die Wäsche waschen, und deswegen füllen sich die Tage hier relativ schnell. Okay. Ja, also hier ist es wundervoll. Der ganze Hof ist super spannend und alles hängt voller Uhren, alles tickt und takt. Alles ist ein großer Dschungel oder ein Labyrinth aus Pflanzen. Und die Schlafgelegenheiten im Heu sind super gemütlich und ein bisschen anders als gewohnt. Und genau danach habe ich gesucht, eben nicht in der Zivilisation immer alle Fazilitäten nutzen zu müssen, sondern tatsächlich ganz reduziert und trotzdem gemütlich und schön zu leben. Alors, du coup, je fais comme ça. Et puis, voilà, le pollen. Pour aider à une bonne fécondation, c'est bien si on met le bon moment le pollen sur les soies. Ça évite aussi qu'il y ait trop de fécondations qui ne sont pas désirées. Alors du coup, on est des fois avec le papier et secouer la panicule un petit peu et puis mettre le pollen sur les soies.
la spirale du maïs a fait tomber la plante. Les épis, elles sont encore bonnes. Mais s'il y a une machine qui passe, ben, les maïs qui tombent, la machine ne ramasse plus les épis. C'est pour ça que la pyrale, elle est considérée comme dangereuse. Autrefois, quand ils ont récolté le maïs à la main, la pyrale n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ce qui a été constaté encore il y a 150 ans. Et puis avec les engrais chimiques, ben, il avait l'occasion de se multiplier. Et puis c'est tellement difficile de les traiter parce que le papillon de la pyrale est très discrète, elle pend des œufs sur les plantes, très souvent à l'aisselle d'une feuille. Et le petit chenille qui sort, il va directement dans le tige. Et si une fois dedans, chaque pluie toxique ne lui fait rien. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé des maïs qui sont un tout petit peu toxiques, justement, mais mortellement toxiques pour ces chenilles de la pyrale qui vont mourir tout de suite après être sortis de leurs œufs. Et du coup, si nous on trouve au champ une plante qui a ces signes qu'il y a des chenilles qui se sont bien développées, on sait très bien que c'est pas une plante OGM. Du coup, ça nous donne la possibilité de faire une autofécondation ou d'avoir une autopollinisation pour que c'est qu'il n'y a sûrement pas une plante croisée et on peut obtenir un épi avec des graines garanties sans OGM. Les épis, ça c'est bon. Ein bisschen ausbreiten, nicht alles auf einen Haufen werfen. C'est grave, hein, la sécheresse. C'est du maïs qu'on a glané. Oui, l'hybride, on donne aux poules. Mais si vous comparez les maïs un hybride et puis une variété. Un hybride, il a une variété. Alors, vous avez envie de commencer par vous faire visiter quelle partie du jardin? Le petit chemin. Ah ben on te suit alors. On vous suit. Bien. Jusqu'à là. Ouais. Et puis du coup, entre-temps, ben, il y a 300 variétés de maïs qui attendent d'être renouvelées parce que dans les instituts, ils ne font pas tout. Et puis, c'est 24 variétés que j'ai semé, ou plutôt que les enfants, je semais avec moi au printemps, avant qu'on avait préparé tous les terrains jusque là-bas. Alors moi je trouve que c'est un patrimoine à conserver de première priorité, parce que pas beaucoup de gens vont faire ça.
les grands semenciers, ils n'ont pas l'intérêt que la diversité dans les variétés du maïs elle est énorme et que c'est si facile d'en obtenir des graines pour ne pas les acheter tous les années de nouveau. Alors c'est un peu mon idée, vu que la Bresse c'est une région où le maïs a une grande tradition, alors du coup ça devrait être pris en main et c'est une grande urgence d'en faire ça. Et mon idée c'est de booster un peu ce projet. Bien. Bien. Oui. 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 La verte, et on en fait une huile qui est très coûteuse et très recherchée. Une huile alimentaire, l'huile de Périgat. Et puis si on regarde en dessous, il y a des aromatiques qui ont poussé d'autre part. Donc là effectivement il y a de la sauge. Un autre popcorn qui est très très tardif, qui est capable de faire 1, 2, 3, jusqu'à 5 épis à la fois, qui est vraiment, qui donne bien. Bah avec Martin, on a semé les graines, on les a vues pousser, enfin on les a aidés à pousser. Oui, on les a. Au printemps, en une journée, nous avons tout semé avec des enfants. Et puis, avec une stagiaire aussi qui était là. Il fallait beaucoup d'années pour l'adapter et qu'il pousse chez nous, parce qu'au début, il a craint nos jours qui sont trop longs en été. Puis là, ça lui arrive des fois, mais c'est rarement. C'est pas une bonne idée de faire trop d'épis sur un nœud. Du coup, il y a un probablement, mais aussi celui-là, vont manquer des graines. Du coup, ça arrive. Puis là, des fois aussi arrive le champ. Le charbon qui laisse ses spores. Donc on peut se faire un poudre pour la peau, c'est extra, la peau tout lisse. On travaille, c'est extra. On va voir si ailleurs. Là il y a un maïs popcorn aux graines tout foncées. Je vais peut-être trouver un petit épi là aussi, qui doit être mûr. Un popcorn. Les grains sont aussi noirs, mais le popcorn, il s'éclate. Il est tout blanc. Et il y en a des plantes qui font des épis pointus et des autres qui font des épis plutôt ronds. Mais autrement, la poussée est assez homogène. Ça, il pourrait produire un bon popcorn. Elle a une très belle soie aussi, qui peut servir de tisane. Les Bressans ont fait des paquets de 100 kg de soie séchée et puis tout a été transporté dans les laboratoires à Lyon et ils ont fait des tisanes diuritives, comment dit-on, avec la soie. Et puis ça, c'en est un qui n'est pas croisé. Ça, c'est un autre qui est croisé. Alors, mais il peut toujours servir comme popcorn, celui-là aussi. Mais pour la semence, je préfère celui-là. Ben voilà.
On va voir s'il y en a d'autres. Ça, c'est un maïs que les scientifiques de l'INRA m'ont fait cadeau. Il est magnifique. Et là derrière, il y a une autre variété de l'INRA. Ces deux variétés étaient parmi les 30 variétés et variétés de... Attends, je te dis, pas une connerie. Parmi les 10 variétés qui ont été cultivées en 1930 le plus souvent. Le Quarantaine et puis là le miette finam. Miette, ça c'est une façon de le préparer, ça veut dire c'est juste une bouillie de maïs. Voilà. Alors le sorgho, c'est un millet qui nous vient depuis l'Afrique, qui fait des panicules avec des graines de différentes tailles. Celui-là, c'est plutôt des grosses grains, mais ça vaudrait le coup de en ressemer et de garder surtout la multitude de variétés qui existent. Cinturine. Ja, hilf mir doch noch mal das aufstellen. Ich glaube, ich schaff's nicht. Es ist zwar mir peinlich, aber... Sollte es nicht sein. Richtig. Ja, irgendwie. Alors la sélection de l'amarante s'effectue au champ. Il faut regarder chaque plante. Si c'est la même, on peut la mettre dans le sac. Ça c'est autre chose, ça c'est trempe d'éléphant, ça s'appelle. Puis là les roses et puis les tout blancs. Alors, Meta, si tu veux continuer. Et couper tout ce qui est comme ça. Et si tu as tes doutes, tu le laisses. Wenn du Zweifel hast, lass du sie stehen. Und jetzt kannst du dir da einen Schritt da rein machen. Kannst du da reinziehen, dann gehst du da auf der Sonne nach. Und nur die roten. Et du coup, moi, je vais mettre au blanc. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est une sélection pour les graines. Et puis, dans un deuxième passage, on cueille tout le reste. La récolte est minable à cause de la sécheresse.
Mais ce qui est bien aussi, les plantes qui sont restées debout, souvent elles tombent par terre et puis il y en a des pertes énormes. Alors, du coup, je te remplace. Ça et ça, c'est la même variété. C'est du rouge, c'est du rouge. Alors, du coup, tu peux travailler là-dessus. Tu viens peut-être un petit peu plus proche. Tu prends avec la main une poignée et puis tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Ça c'est efficace ça. Et puis après, encore une fois comme ça. Et là on a l'impression qu'il ne coule plus rien et ça c'est le moment où on met. Sur le compost. Et puis voilà, tu vois. Dass das Spelzenzeug da rauskommt. Ich habe eine Windmaschine, eine alte. Mit einer großen Holzkurbel. Da kann man einen Wind erzeugen. Und dann habe ich Siebe angepasst, dass es für die Amaranthkörner passt. Und so kann ich den Amaranth ausblasen. Schau mal, ein Regen. Ein Regen, ne? Schön. Alors, ce qui est noir sont les graines. Et ce qui est une jolie couleur violet, c'est les glumes, mais malheureusement, les glumes, ils restent pas de cette couleur-là. Elles vont sécher et puis elles vont devenir gris. Elles sont plus si jolies que ça. Mais on peut quand même en faire des bonnes choses. On peut remplir des oreillers.
Kilo Kohlenbaum. Warte mal noch, bevor. Ah, ja, nun war es gut, okay. Weißt du, da hat eben schon noch Platz. Da will ich auch noch was Ben voilà, faire une petite pause, on va boire quelque chose.
malaise. Messer nehmen. Was ist hier in Ordre? Und wo wir mit den Lachen akzeptabel sind? Wo ist der Kopf vor? So, da war es. Alors, vous voyez, celui-là, il y en a tellement des qui sont pas du maïs tout. On va tout mettre pour les mélanges, celui-là. D'accord, ok. Mélange, d'ailleurs. Mais là, il y en a beaucoup qui sont flétris et qui sont jaunes. Ça, c'est les bons pour les semences. Donc, on garde les flétris, voilà. Petite présentation, ben là on est dans l'ancien hôtel du Lion d'Or en fait, qui a été repris par un collectif. Ce collectif œuvre depuis maintenant 2015 avec les habitants et c'est comment un petit peu remettre la culture au centre du village avec les habitants. Donc ça va de spectacles jusqu'à, par miracle un peu, la culture d'un jardin. En fait, cette histoire de jardin est arrivée grâce à l'idée d'une habitante, elle s'appelle Evelyne. Et elle avait un souvenir de petite fille, c'était de dire, quand j'étais avec mon grand-père dans les champs de maïs, je me souviens de l'été quand on mangeait des roux, du maïs grillé. Et en fait, ce moment, elle voulait le revivre. Et puis, on se posait la question, mais comment... On a des projets, c'est super, on a un jardin, mais comment ramener la jeunesse ici? Et elle disait, mais peut-être qu'on pourrait cultiver du maïs avec les enfants. Donc... moi, j'avais jamais cultivé de maïs. L'équipe artistique n'avait jamais cultivé de maïs. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. Enfin, lâchons. Il y a un bout de terrain là dans Simandre. Enfin, voilà quoi. Allons-y. Des enfants, l'école avec lesquels on était en contact. Voilà. Le projet démarre. On commence à se réunir. Et là, il y a un article dans le journal, journal de Saône-et-Loire, le JSL. Je crois que Véronique a entendu parler de Martin au travers du journal local. Et comme elle est très curieuse c'est presque pour moi plus facile de parler de Véronique, je la connais mieux. Mais comme elle est tellement curieuse de toutes les personnalités humaines, et bien sûr, ça l'a tout de suite intéressée, puisque c'était. Donc je crois qu'elle est entrée en contact avec lui. Et ils ont accroché tous les deux très très vite. Et il s'est branché sur le projet parce que je pense que d'une part ça l'intéressait de travailler avec des enfants et puis ça lui permettait de transmettre sa passion. Et Martin est arrivé comme ça dans nos vies en fait. Parce que c'est un peu ça, c'est des entrées en scène. Du coup Martin est arrivé et il est arrivé avec un cadeau énorme. Il est arrivé un jour, il avait deux stagiaires avec lui. Il est arrivé avec 26 pots, petits pots de grains de maïs, de semences qu'il nous offrait pour qu'on les cultive. Et puis peut-être qu'on en prenne soin jusqu'au fait de peut-être les manger et puis jusqu'au fait que ces graines-là vont servir pour la suite. On a établi une correspondance. Alors souvent elle est passée par moi parce que je suis un petit peu comme un reporter, c'est-à-dire que toutes les fois qu'on est en atelier avec les enfants, on fait un reportage photo, on est plusieurs, une équipe à faire des photos. Et puis moi, je raconte, ben voilà, on a fait ça, ça, ça. Et puis Martin, je lui envoyais en disant, ben voilà, on en est là. Et puis Martin nous répondait. Et donc, il y a eu une correspondance
pratiquement tous les 15 jours où moi j'écrivais à Martin, Martin nous répondait, puis Martin est revenu. Il m'avait dit qu'il viendrait qu'une seule fois, puis finalement il est revenu une deuxième fois l'été pour voir comment le maïs poussait, puis finalement on est allé chez lui un été avec un groupe de personnes qui s'occupaient du jardin, donc des gens d'ici, de Simone, mais aussi bien des parents d'élèves, d'écoliers, que des gens intéressés par le jardin, des jardiniers, il y a beaucoup de jardiniers ici, et puis des agriculteurs aussi, des agriculteurs qui ont des terres ici à Simone depuis le XVIe siècle. Donc des gens qui sont proches de la terre et qui ne sont que le bout d'une chaîne de logique, de technologie, et qui se posent plein de questions aujourd'hui. Donc le projet a permis toutes ces rencontres, et Martin, c'est un cadeau. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Puis Martin, c'est quelqu'un qui nous amène peut-être à voir comme un visionnaire que ce qu'on est en train de faire, qui est éphémère aujourd'hui, c'est que peut-être c'est très précieux, mais on ne s'en rend même pas compte là. Mais ça va être très précieux. Ce qu'on a vu assez vite, c'est qu'il était assez têtu. Il a une mission, voilà, c'est la mission maïs qui est très forte. Alors, il n'y a pas que le maïs, hein, on a pu avec lui travailler sur les amarantes, travailler sur quelques autres espèces, mais avec une grande volonté qui nous a porté aussi pour essayer de porter notre exigence. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste planter du maïs de façon un peu détendue et sympathique avec des enfants. Et petit à petit, c'est devenu un projet très précis où sur les semences, sur la manière de les entretenir, de les récolter, de les planter, de les trier. Et quand il s'est agi de faire le second jardin, Martin était là avec sa volonté pour faire avancer à nouveau toute cette démarche et puis recommencer un petit peu la recherche qu'on avait commencé la première année. Donc très doux, très paisible, très tranquille, mais une volonté d'acier derrière tout ça. Pour moi, c'est un personnage venu d'ailleurs. C'est un être étrange, comme on en rencontre, je pense, très 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 rarement. C'est un être précieux. C'est un monsieur plein de vie, qui a énormément d'expérience, c'est incroyable. Pour moi qui suis jeune, même passionné de nature, on est toujours limité. On manque toujours d'expérience et des personnes comme ça, c'est assez fabuleux. De rencontrer des personnes comme ça qui puissent nous transmettre tout leur savoir. Et puis il y a eu un moment donné de rencontre, l'été, où le groupe, on s'invitait dans les jardins les uns des autres. Et Martin nous a dit, si vous voulez, vous venez chez moi. Donc on s'est retrouvés une vingtaine à aller jusqu'à Vincennes, jusqu'à chez lui. On ne connaissait pas, on a fait du covoiturage. Chacun arrive donc chez Martin. L'idée, c'est de regarder le jardin et puis après, de partager un repas. Et ça va se passer ce soir. Et là, donc on arrive, on avait pris un peu de temps et en fait, on va arriver. On avait travaillé le jardin avant ici à Simondre. Et on arrive là-bas, c'est juste un peu la tombée de la nuit, quoi. Et quand on arrive là-bas à Vincennes, en fait, on rentre dans le jardin. Et là, il y a, comment dire, comme une sorte de jardin merveilleux où il y a plein de végétation et il y a un tout petit chemin comme ça. Et on va se retrouver à suivre ce petit chemin comme si on était tout petit, en fait, un peu comme des enfants. Et à un moment donné, on était un peu décalés les uns les autres. Il y en a qui ont commencé à visiter. Puis moi, je suis arrivée un peu plus tard. Et moi, la première vision que j'ai eue de sa maison, c'est que je suis arrivée au milieu de la végétation. Et là, j'ai vu une maison éclairée le soir avec en terrasse une table avec plein d'assiettes posées autour comme ça. Et éclairée, mais vraiment d'une manière magique avec de toutes petites bougies. Puis j'avais l'impression d'être dans un conte de fées, en fait. J'avais l'impression de rentrer dans un conte de fées. Donc on s'approche de la maison. Je me dis, mais on est où, en fait? C'était comme une ancienne masure. Il y a le côté un peu, voilà, ancienne masure. Et après, les gens étaient déjà dedans. Ils me disent, mais viens voir, Véro, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et on rentre dans cette cuisine. Et là, je dis, mais je suis vraiment dans un conte de fées. Parce que là, je suis à un endroit où le temps s'est arrêté et le temps n'arrête pas de marcher. Parce que le temps s'arrête, parce qu'on a l'impression qu'on est peut-être début du 19e, je ne sais pas comment dire. Il y a des cuisines, il y a la pierre d'évier, il y a les anciens robinets, il y a les anciens porte-savons, il y a des planches suspendues, mais surtout, il y a plein de,
de pendules qui sont en train de se balancer et de fonctionner. Et en même temps, on pourrait se dire, mais c'est assourdissant en fait d'entendre le temps passer, mais en même temps, je ne sais pas, il y a une sorte de musicalité là-dedans, et voilà. Et là, moi, j'ai comme une enfant, je dis, mais on est où? Et puis, il nous parle, et puis après, il va nous emmener dans une autre grange, où là, dans la grange, on monte à l'échelle, et là, il avait fait une petite installation d'une exposition de maïs, et on se retrouve dans le foin. Il avait mis plein de livres, il nous avait amenés dans l'univers du maïs, comme ça. Et puis, il avait mis en place une grande horloge. C'était un peu son clocher de sa maison. Et là, en bois, avec des bidons de lait qui montent, qui descendent. Et là, pareil, on est en face d'une sorte de génie bricoleur. Mais en même temps, quelqu'un qui re-questionne le temps. On était hors du temps. Ce soir-là, ça nous a tous touchés. Et j'avais l'impression de rencontrer... Oui, c'est pour ça, c'est une autre planète. C'est une autre planète. Et c'est notre planète. C'est un monde à part. C'est vraiment un... Alors d'abord, nous sommes arrivés en voiture et on est passé 3 fois devant sa maison sans la voir. Et il y avait une autre maison qui avait l'air très nette, très propre sur le côté et on se disait, ce n'est pas possible que ce soit la maison de Martin. Donc on a fait plusieurs fois demi-tour. Et puis à un moment, ah, il y a un toit dans les arbres. Donc on s'est dit, c'est sûr, c'est là. Donc on est entré et là, on arrive dans un... Je ne parle pas beaucoup de Martin, mais si, à travers son lieu. Dans un labyrinthe de végétation, comme... moi, j'ai déjà beaucoup visité de jardins, j'aime beaucoup ça. Mais là, comme je n'en avais jamais vu, c'est un total désordre végétal, mais humanisé, c'est-à-dire que c'est pas la nature qui a le dessus, c'est Martin qui organise tout, mais dans un désordre tellement étonnant, tellement voilà, pour moi c'est un paradis cet endroit-là. Et ensuite, on est arrivé jusqu'à sa maison. Et là, l'étonnement est encore plus grand, forcément. Parce que moi, d'une part, en même temps, ça me rappelle chez mes grands-parents, parce que ça a quelque chose de tellement qui date tellement du début du XXe siècle, voire même d'avant, en fait. Avec, je dirais, encore moins de confort, bien sûr, que chez mes grands-parents. Pourtant, c'était quand même déjà quelque chose, et c'était normal à cette époque-là. Et chez lui, en plus, totalement disparate, avec des objets tellement hétéroclites, tellement... Un monde de d'elfes et de... Je sais pas, c'est un... Voilà, c'est un personnage très, très étonnant. Alors, chez Martin, c'est assez incroyable. C'est la vie au milieu de la forêt, mais la forêt un peu organisée quand même. C'est ce qu'on peut voir actuellement, les systèmes permacoles où la ferme est au sein d'un écosystème. Et lui, voilà, il a créé son écosystème tout autour de sa maison. Et c'était assez fabuleux, quoi. À chaque détour de chemin, on croise des nouvelles variétés, des nouvelles plantes, des choses inconnues. Et voilà, c'est son petit chez lui. Et on tend la main et on cueille quelque chose à manger l'été, au printemps et même à l'automne. Voilà, c'est assez magique. C'est un lieu qui fait un peu mystique, du coup. En fait, sa maison est comme l'intérieur de sa maison, comme l'extérieur. C'est un dédale, un labyrinthe de choses étranges. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois, donc je ne me souviens plus exactement, mais on va d'étonnement en étonnement. Et en même temps, je me dis, je ne pourrais pas vivre dans un lieu comme ça. C'est presque oppressant, en fait. Mais, oui, je ne peux pas dire autre chose. Un monde merveilleux, un monde de magiciens. On s'attend à voir apparaître des génies, sortir des marmites, je ne sais pas. Voilà, c'est très poétique, un monde très poétique. Et je pense que c'est quelqu'un de très, très poétique, Martin. Et puis Martin, voilà, c'est aussi le formateur. On a vu passer quelques-uns de ses, euh,
quelques-unes plutôt. Moi, j'ai vu passer plutôt des jeunes femmes passionnées aussi qui venaient étudier comment. Je ne sais pas très bien exactement comment se passe l'enseignement, comment se passe la culture du jardin, l'entretien des maïs, sans le connaître, on a compris que c'était quelqu'un d'important. Voilà. Les stagiaires, ouais, on est surpris parce que c'est souvent des gens qui font des études assez poussées, et on a l'impression qu'ils ont envie de se ressourcer chez Martin. Donc c'est des gens qui ont sûrement tout le confort, tout un tas de choses, on va dire, du monde moderne. Quand ils arrivent chez Martin, il n'y a pas de télé, il y a à peine l'électricité. C'est une autre vie. Et je pense que les gens ont besoin de ça aussi, ça fait une coupure et ça permet de se remettre les pieds sur terre. Et bon, les gens qui font le stage chez lui n'ont pas l'air malheureux, hein. Au contraire. Hein. C'est vrai que c'est intéressant. On comprend que ça travaille dur, qu'il y a un rythme du matin jusqu'au soir assez dense. On comprend que les stagiaires vivent dans des conditions qui sont les mêmes que celles de Martin, mais on a pu voir l'espace dans lequel ils vivent, qui est un espace plein d'un charme fou. En fait, c'est un grenier avec du foin, et puis il y a des coins où il y a des couches, et puis les mêmes toilettes sèches, une certaine absence de fenêtres par endroit, une très grande simplicité, mais alors par contre un lien avec la nature qui a l'air très très profond. Et les stagiaires qu'on a rencontrés, elles étaient investies, on le sentait en profondeur, avec une certaine... ça n'a pas l'air facile parce qu'apparemment il y a du travail et que Martin est exigeant, mais ça a l'air d'être une expérience qui vaut le détour. Alors, il faudra peut-être qu'on devienne stagiaire une de ces années pour comprendre ce qu'ils font. On est en pleine période de mouvance, de collectif, de gens qui s'éveillent en fait à autre chose, et c'est comment, par des initiatives, et puis surtout je crois beaucoup à la magie de la vie. En fait, c'est bien foutu la vie. Quand il y a des gens qui ont des envies et qu'elles sont justes, je pense que les gens arrivent dans les projets. Voilà, et Martin en fait partie. Martin, je sais pas comment, c'est une autre planète. Ça vous parle, ça? J'ai une sympathie pour un homme qui vient du merveilleux, en fait. Pour moi, c'est un... Il vient d'ailleurs. Voilà. Lui, c'est ce moment, en fait, où il nous a invités, c'était un moment qui était fort pour lui, parce que c'était un moment où il se posait pas mal de questions sur la transmission, sur qu'est-ce qu'il pouvait faire passer, et puis en même temps... Il s'interrogeait énormément sur la terre, comment la cultiver. Il avait eu des déceptions. Et du coup, il s'était remis à réparer ses horloges. Donc, c'était une sorte de passe-temps, de temps. Mais je ne sais pas ce qu'il cherche là-dedans. Tout à l'heure, je suis allée le chercher, là, juste avant. Et pareil, je me retrouve à marcher sur les... Il avait fait un chemin. Il est intéressant parce que toutes les fois, il dit, ben voilà, je fais du chemin. Et du coup, j'ai remarché encore sur ses marches. J'ai vu ses poules, j'ai vu son entrée. Son éclairage d'entrée, il m'a montré son horloge qu'il venait de réparer, il m'a montré son petit jardin d'hiver, il avait rentré toutes ses plantes, il m'a offert une tisane, et il m'a parlé de son chat qui était mort, qu'il était triste. Et en même temps, il m'a dit « je suis contente parce que j'ai tout préparé pour ce soir ouais. ». Je sais pas comment vous parler, plus que ça.
Ça va ? Oui, et toi ? Oui, bien, oui. Cool. Allez, on va au ping-pong. C'est pas d'ordi aujourd'hui. T'as pas d'ordi ? Non, 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 non. Pardon. C'est un mot vert, c'est un mot vert.